Église FJKM. Le régime actuel est une transition bis. La réconciliation nationale, suivant les principes du 4F, ou Fiekenkilk, Fibeban, Fahamarinen, Fiavanen, tel que le conçoit le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar, ou FFKM, constitue l'ultime solution, a réitéré le pasteur Lala Rasinrasn, président de l'église FJKM. Il a manifesté son opinion à propos du retour au pays de l'ancien président Marc Ravalmanana, et non moins vice-président de l'église FJKM. Lala Rasinrasn déplore l'indifférence du régime face à l'organisation du sommet des quatre, alors que le retour au pays de Marc Ravalmanana représente une opportunité pour concrétiser ce projet. En ce qui concerne l'arrestation de Marc Ravalmanana, le pasteur Lala Rasinrasn a rétorqué que le régime actuel agit comme une transition bis, en ce sens où les pratiques politiques demeurent les mêmes. Le président de l'église FJKM a également fait savoir que l'arrestation de Marc Ravalmanana a suscité, certes, le mécontentement, mais n'entrave en aucune manière les activités de l'église. Le pasteur Lala Rasinjas n'aimerait bien rendre visite à l'ancien président Marc Ravalmanana à Antsranana. Toutefois, il reconnaît qu'il a très peu de chances d'obtenir l'autorisation des autorités compétentes. Le pasteur Lala Rasinjas, qui vient de rentrer au pays, a été convié par l'église Peace Fellowship Presbytérien de New York, en sa qualité de président de l'église réformée de Madagascar.